voilà qui rentre dans le bistrot. Ça fait une heure que t'attends. T'as déjà bu sept cafés, t'as des tics, des tremblements. À peine assise, elle te dit qu'elle peut pas rester longtemps. T'aurais préféré toute la nuit, elle partage pas tes sentiments. Tu lui fais des yeux de fan malade, elle regarde sa montre. Pendant que tu parles, bip son portable, ça la gêne pas de t'interrompre. Une autre fille attend, seule au coin du comptoir. On lui a posé un lapin, t'es trop occupé pour la voir. Tu dévisages l'autre qui parle au téléphone très fort. T'as l'impression d'être invisible, bah t'as pas tort. Proche faute de batterie, tu recommences à la pister. Elle te raconte sa vie, tu fais vachement bien le mec captivé. Elle est un peu mannequin, un peu actrice, un peu serveuse. Elle est un peu pédante, un peu égoïste, un peu allumeuse. Mais elle est jolie, t'aimerais la connaître bibliquement. Bibliquement, poésie, ça veut dire cabosser tout simplement. Au coin du bar, la fille au lapin s'ennuie. En y regardant de plus près, elle aussi, elle est jolie. Tu la trouverais adorable, une chose qui n'a plus de prix. Elle coupe son portable quand elle est en bonne compagnie. C'est l'autre que tu convoites, tu te décides à conclure. Ta réponse est niette, elle rejette ta candidature. Elle avait oublié de te dire, elle a déjà un copain. Ça finit de t'anéantir, c'est le coup du lapin. Habillé pour l'hiver, t'as pris une belle veste. C'est plutôt une canadienne avec une doublure en cortex. La fille au lapin paye son verre, elle en a marre. La remarque enfin lorsqu'elle quitte le bar, trop tard.